Salut, salut, chers bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, à tous ceux qui me suivent du jour en jour à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vos serviteurs, le prophète Gamaliel, réside en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur m'envoie encore pour m'entretenir un peu avec vous sur un sujet très important, j'allais dire un enseignement. Un enseignement qui va nous faire du bien aujourd'hui. Alors, je ne serai pas long aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je demande aux chers frères et sœurs de partager le message dans tous les groupes Facebook, Messenger, aussi sur le YouTube, partager massivement et inviter vos frères et sœurs, inviter vos amis à écouter la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères, pour commencer, j'aimerais faire une prière. Seigneur Jésus, merci pour le moment et pour la santé et pour la vie que tu nous donnes encore jour en jour. Seigneur, pour cette grâce que tu me permets ou tu me fais de venir éternel devant ton peuple. Père, je prie pour que l'enseignement qui sera véhiculé maintenant, que ta grâce accompagne, Père éternel, afin que tous les auditeurs, les auditrices, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui écoutent notre message, que le sang de Jésus les marque, afin de pouvoir apporter une fruit de bénédiction, de prospérité et de grâce au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Roi, Père céleste, ce moment t'appartient. Adonai, Dieu bon, Dieu de gloire et Dieu de bonté. Seigneur, dirige le moment par ta puissance. Dirige le moment par ta grâce, afin que tout esprit éternel qui ne te glorifie pas, qui vont vouloir éternel s'opposer, que soit vaincu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on va écouter un chant très rapidement. Nous allons écouter Constante. Oui, le nom est biblique, le nom est fort, Constante. Nous allons l'écouter. Que Dieu vous bénisse. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Tu n'en auras pas ailleurs. Viens à Jésus, frères et sœurs. Reçois l'adoration. D'un cœur que tu as sauvé. Tu as sauvé. Oh Jésus. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Il est digne de l'adorer, de le glorifier, de le magnifier. Parce qu'il sied dans sa parole. Seigneur, merci. Oh, je veux t'adorer, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Oh Jésus, merci. Bien-aimé, je sens l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que tu ressens aussi? Vive l'amour de Jésus-Christ. Vive la présence du Seigneur. Oh Jésus,
Seigneur, merci. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Il est Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je dédie ce chant à mon frère, à Paul de Londres. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève. Que Dieu étende ta limite au nom de Jésus. Ma fille Michel de Londres, sois saluée depuis ta position, que Dieu te bénisse. Monsieur Yves, que Dieu te bénisse, sois salué depuis ta position. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui me suivent sur le YouTube. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Jésus. Acclamons-le. Merci Seigneur. Nous y ont tué, nous y ont inscrit. Gloire à toi Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci bien-aimé. Nous allons arrêter la chanson et vous suivre notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, très rapidement, aujourd'hui je ne serai pas long, mais nous allons suivre un enseignement biblique sur de la femme à la perte de sang. Bien-aimés, la femme à la perte de sang, le livre de Matthieu, le Saint Matthieu, chapitre 9, verset 20. Et Saint Luc, le docteur Luc, chapitre 8, verset 43 à 48. Saint Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans ces trois évangiles, il est fait mention d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. C'est-à-dire, quand sa maladie a commencé, la même année que la fille de Jairus est née. Parce qu'elle aussi, elle avait 12 ans. Et lorsque la femme a reçu la guérison, c'est là que Jairus est venu supplier Jésus d'aller guérir sa fille. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, Matthieu a expliqué sa version. Luc a expliqué sa version. Mais celui qui va nous aider à aller plus profond, c'est Marc. Alléluia. C'est Marc qui va nous aider à savoir plus sur la femme. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, selon la loi, elle était impure et devait rester dans l'isolement. Lévitique 15, verset 19 à 33. Lévitique chapitre 15, verset 19 à 33. Bien-aimé, verset 19 nous dit, la femme qui aura un flux,
un flux de sang, en sachant restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la couchera, quiconque la touchera, sera impur jusqu'à soi, jusqu'au soir. Verset 20. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans le sang et sera dans l'eau plutôt, dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Verset 23. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou donc le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme l'or de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera soué. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après jusqu'à elle, elle sera pure. Verset 29. Le 8e jour, elle prendra deux tuteurs ou deux jeunes pigeons, et elle les apportera au sacrificateur et à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 30. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'inspiration et l'autre holocauste, et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel à cause du flux qui la rendait impure. Verset 31. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leur impureté, de peur qu'ils ne meurent à cause de leur impureté. S'ils suivent mon talement, s'ils
suis mon tabernacle, qui est au milieu de, telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est sué pour une pollution, pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a eu flux, et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir plusieurs éléments, comme Marc. Je vous ai dit que Marc nous a beaucoup aidé parce qu'il allait au plus profond, plus loin. Bien-aimés, elle devait être anémique et faible. Marc nous donne un peu plus de détails sur la condition de cette femme. C'est-à-dire, il y a 5 points. Notez, elle avait beaucoup souffert. Deuxième point, elle avait vu beaucoup de médecins. Troisièmement, elle s'était ruinée. Elle n'était pas soulagée. Cinquièmement, qui est le cinquième point, son état s'empirait à chaque visite. Bien-aimés frères et sœurs, elle avait entendu parler de Jésus de Nazareth. Elle avait entendu parler de Jésus. Nous voyons sa détermination. Elle aurait pu se cacher derrière ses nombreuses excuses. Bien-aimés, il y a foule. Et selon la loi, elle doit rester chez elle. Elle ne doit pas être au contact des autres. Sinon, elle pourrait les rendre impurs. Elle est très certainement faible et souffrante de trop. Bien-aimée, elle risque d'être à nouveau déçue. Et cela risque peut-être d'empirer sa situation. Alléluia. Elle pourrait rester dans la foule et peut-être que Jésus va la toucher et qu'elle sera guérie si c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Non, cette femme a fait taire toutes ses voix, ses craintes, ses obstacles et ses interdits. Et elle s'est bien-aimée, approchée de Jésus. Elle a touché le bord de son vêtement. D'après la loi, elle le rendait impur en faisant cela. Bien-aimés, frères et sœurs, sa foi était plus grande que cela. Bien-aimés, frères et sœurs, la Bible a été claire. Sa foi était plus grande que cela. Elle toucha le bord de son vêtement. Ce n'est pas que, bien-aimé, son vêtement en lui-même avait une puissance particulière, soit comme un gris-gris, ou bien quelque chose dans ces gens. Mais pour comprendre cela, bien-aimé, j'aimerais que nous devons revenir à l'Ancien Testament. De Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15, verset 37 à 41.
L'Éternel dit à Moïse, verset 37, l'Éternel dit à Moïse, verset 38, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Verset 41. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous fait, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés frères et sœurs, comme je vous ai dit que nous allons revenir à l'Ancien Testament, voici ce que le livre des Nombres, chapitre 15, verset 37 à 41, nous révèle. Un cordon bleu, une frange, était mis au bord du vêtement afin de se souvenir de la parole ou de la parole des promesses de Dieu. À chaque fois qu'il y avait, bien-aimés frères et sœurs, à chaque fois qu'il y voyait le bord du vêtement des uns des autres, ils se souviennent. Bien-aimés, c'est ce que cette femme toucha lorsqu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus-Christ. Elle a touché la parole et saisit la promesse de Dieu. Elle a vu cette frange bleue se rappelant les promesses et la saisit, se souvenant qu'une des promesses était Dieu, l'Éternel, qui guérit. Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, sa foi s'éleva au-dessus de ses craintes, obstacles, douleurs. Bien-aimés frères et sœurs, douleur, désappointement, et elle toucha Jésus et fut instantanément guérie. Instantanément guérie. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a senti qu'une force était sortie en lui. Lorsqu'on touche Jésus, il y a un change qui s'opère. Nous ne sommes plus les mêmes après cela. Sa force passe de lui en nous. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers auditrices, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. La femme a su que quelque chose s'était passé. Elle fut effrayée et tremblée. Et elle est venue se jeter aux pieds de Jésus-Christ. Elle déclara devant la foule son état et sa raison pour avoir touché Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, soyez reconnaissants. La foi, alléluia. Elle aurait dû se réjouir. Elle était guérie, mais elle était effrayée et tremblante. La rencontre a
était si forte. Ses peurs auraient pris le dessus. Elle avait osé sortir de l'isolement, de se mêler à la foule et toucher le pur. Elle qui était impure, comment allait-il, bien-aimé, réagir? Et Allah, elle découvrit un autre aspect de Jésus, non seulement celui qui guérit, mais aussi celui qui pardonne, qu'il aime. Cette femme avait la foi. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Dans les moments difficiles, démontrer de la meilleure la foi. Jésus-Christ est réel, nous a promis dans Matthieu 28 qu'il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tout a changé en elle. Une nouvelle vie s'ouvrit devant elle. Une vie de guérison. Alléluia. Quand vous vérifiez au verset 34, bien-aimés frères et sœurs, au verset 34 de Marc, vous verrez que de Marc au chapitre 5, verset 25 à 24, à 34, vous verrez que, bien-aimés frères et sœurs, cette femme, le 34, verset 34, au verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée et va en paix et sois guéri de ton mal. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ta foi t'a sauvée. Jésus guérissait par la foi. Lorsqu'il a vu Bartimée, il a dépassé. Et les gens, lorsque Bartimée criait, les gens le faisaient taire. Parce que ceux-mêmes qui le suivaient, beaucoup sont handicapés, beaucoup sont malades. Ils n'ont pas encore reçu la guérison. Et Bartimée opportunait Jésus-Christ. Mais le dernier cri de Bartimée a touché Jésus. Jésus s'est arrêté. Il dit, allez-y me chercher. Souvenez-vous, lorsque ils sont partis, les disciples sont partis, ils lui ont dit, prends courage, il t'appelle. Ils l'ont laissé là-bas. Mais l'homme Bartimée, qui avait foi, qui avait soif de guérir, il a tâtonné, il est venu par la foi vers Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Je fasse pour toi. Il dit, je veux voir de nouveau. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Elle t'a rendu complète, entière, guérie, non seulement physiquement, mais dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tout comme cette femme, nous devons avoir de la bien-aimé détermination. Parfois, nous faisons face dans notre vie à des situations difficiles. Nous avons besoin de la regarder. Ou nous avons besoin de le regarder. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de regarder la promesse de Dieu et de nous élever vers lui. Cette femme s'est souvenue
de la promesse de Dieu. Le pain de la robe, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est que tu sois guéri. La promesse de Dieu est que tu sois en paix. La promesse de Dieu est que tu enfantes. La promesse de Dieu est que tu te maries. La promesse de Dieu est que tu sois véritablement délivré. Amen. Nous ne devons pas rester dans la foule en se disant, si Dieu le veut, il me touchera. Bien-aimé, la Bible nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Bien-aimé, nous, c'est à nous, non, c'est à nous de le toucher jusqu'à ce qu'un change se fasse dans notre vie. Faisons tomber toutes les barrières qui veulent nous empêcher de nous approcher de lui et de le toucher. La foule représente un obstacle. La foule qui empêchait la femme représente un obstacle. Aujourd'hui, quel est ton obstacle de t'approcher de Jésus? Quel est ton obstacle de t'approcher de Dieu? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, étendons notre main vers lui jusqu'à ce que nous sachant au fond de nous que nous avons reçu ce toucher que nous attendons. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous sentons insatisfaits dans notre vie, vidés, bien-aimés, dans un état de faiblesse. C'est le moment non pas de nous lamenter sur nous-mêmes, mais de le chercher et de le toucher. Alléluia. Et de le toucher. Bien-aimés frères et sœurs, voulons-nous le faire? Avoir cette détermination en nous? Ou bien voulons-nous attendre et espérer qu'il nous touche? Nous devons nous approcher de lui, saisir ses promesses, les proclamer et me lâcher prise, que lorsque nous avons eu une rencontre personnelle avec lui, bien-aimés frères et sœurs, nous serons alors différents. Quelque chose se passera, alléluia, dans votre vie. Peut-être que parfois, nous avons essayé de faire comme tout le monde et rien ne s'est passé. Les autres ont été touchés, mais pas moi. Je suis peut-être passé. Je ne suis peut-être pas assez bien pour que Dieu me touche. Bien-aimé, et nous entrons dans un cercle. Bien-aimé, nous entrons dans un cercle infernal de culpabilité. C'est grave. Mais si l'on regarde à cette femme, rien ne pouvait être pire que l'impureté, car elle n'avait pas le droit de s'approcher de Dieu, encore moins qu'il ne la touche. Mais elle passa outre. Obtient ce qu'un
ce qu'elle voulait. Bien-aimé, elle passa outre et obtint ce qu'elle voulait. Dieu attend que ce soit nous qui le touchions. Alors, il nous touchera et en retour, le change se fera. Bien-aimé, c'est certain. Bien-aimé, frères et sœurs, cette femme n'a pas demandé la permission à Jésus-Christ pour le toucher, le bord de son vêtement. Elle l'a fait. Alors que nous voyons que dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 36, il le prière de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Matthieu, chapitre 14, verset 36. Ces personnes furent guéries. Elles ont reçu la guérison de leur corps. Bien-aimés, mais cette femme fut rendue complète. Alléluia. C'est ce qui est la différence. Lorsque cette femme témoigna devant la foule de ce qui s'était passé, cela s'est répandu. Et bien-aimés, et des personnes demandèrent la permission à Jésus de le faire, de faire comme cette femme. Elle a osé et cela a ouvert la voie pour d'autres personnes. Si le Seigneur vous guérit, vous devrez témoigner. En témoignant, cela permettra aux autres d'avoir aussi la foi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que sa promesse est toujours là. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie qui est sur toi, que ce soit une maladie incurable. Bien-aimés frères et sœurs, acceptons de rendre témoignage. Si c'est le VIH/SIDA que tu as été guéri, il faut témoigner publiquement. Cette femme n'a eu honte. Elle a témoigné publiquement. Et cela a poussé les gens à aller le supplier pour le toucher, pour qu'il soit guéri aussi. Alléluia. Bien-aimés, ce qu'il faut noter est qu'elle a entendu parler de Jésus. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alléluia. Depuis sa maison, depuis chez elle, elle a nourri, elle a pris la décision dans son cœur que si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle avait déjà préparé la guérison avant d'aller l'accomplir. Elle avait déjà préparé la guérison. Alléluia. Très souvent, vous pensez que c'est les hommes de Dieu qui guérit. C'est le prophète qui guérit. C'est le pasteur qui guérit. C'est le bishop. C'est le daddy. C'est le shekinah. C'est le temps. Non. C'est pas le général. C'est pas le quoi. Les anti-bishops. C'est pas ceux-là qui guérit. Toi-même, il faut préparer ta guérison. Il faut préparer ton miracle. Ce n'est pas une onction qu'ils appliquera sur votre tête que vous serez guéri ou vous allez rencontrer votre miracle. Non. Il faut préparer ton miracle chez toi, depuis chez toi. Alléluia. Bien-aimé, prépare ton miracle depuis ta position, depuis chez toi. Cette femme, elle a préparé la guérison qu'aujourd'hui, parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Cette femme, personne ne pouvait l'approcher. Elle vivait dans l'isolement. Cette femme était abandonnée, rejetée.
Elle avait son mari, la fille, parce que en la touchant, il allait toucher l'impureté. Tous ses parents l'ont abandonné parce que tous ceux qui vont la toucher, ils seront tous impurs. Cette femme était seule, toute seule, abandonnée. Elle était complètement bassoulie. Mais cette femme, elle s'est dit, elle a entendu parler de Jésus. J'ignore qui lui avait parlé. Je suis sûr que c'était le moment. Elle était juste, les gens passaient derrière sa fenêtre, qu'il parlait qu'aujourd'hui, Jésus est venu quelque part. Qu'elle a dû entendre. Elle s'est préparée. Elle allait vers Jésus. Alléluia. Cette femme avait presque tout perdu. Les gens lui ont pris son argent. Tout. Alléluia. La médecine, tous ceux qui lui disaient que je pouvais te guérir ont tout essayé, mais n'a pas eu gain de cause. Mais elle s'est dit, si je vais aujourd'hui vers Jésus, le toucher, je serai guéri. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Est-ce que tu as entendu parler de Jésus? Si tu as entendu parler de Jésus, alors arrête l'angoisse. Arrête de lamenter. Arrête la tristesse. Jésus s'appelle la vie. Bien-aimé, invite-le dans ton cœur et tu seras guéri. Que Dieu vous bénisse. Cette femme aussi, elle ne s'était pas arrêtée là, elle a témoigné. Elle s'est rappelée aussi sur la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est que le livre d'Ancien Testament et le Nouveau, Jésus est venu accomplir. Jésus est venu accomplir, alléluia. Jésus est la promesse de Dieu. Jésus est la promesse de Dieu. Et cette femme, elle s'appuyait sur la promesse de Dieu. Elle allait toucher la promesse de Dieu. Elle a reçu la guérison. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ici prendre fin mon enseignement. D'ici là, portez-vous bien. À la fois prochaine. Merci. Et voici nos contacts. 00-225-48-81-05-23. Ce numéro va vous faire du bien. Appelez sur ce numéro. Et vous tous qui veulent nous soutenir avec votre moyen, oui, vous pouvez le faire. Nous avons besoin des appareils. Nous avons besoin aussi des trucs pour pouvoir, oui, avancer l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine.